Allô? Vous m'entendez bien? Oui, ça a l'air d'être good. J'ai oublié de mettre le jeu, moi. Hop là. Ok. Oui, mais ça marche pas, ça. On va voir si le son est toujours capté. Allô? Test. On va voir si, on va voir s'il y a du son. Bonjour YouTube. Ah bah voilà. Bon, ça a l'air d'être good. Je vais mettre la caméra un peu mieux. Voilà. Et puis je repense à ces salauds qui niquent le gouvernement. Le président. Je connais pas du tout. Non, c'est pas Allo. Bon, quelle était la quête à faire? On devait partir sur la défense des marchands. Vous êtes pas droit. Droit. Ouais, sauvetage des marchands. Ouais, c'est parti. 5 esbroufes. Ouais, aucun marchand doit survivre. Ah, vas-y, on fait pas les esbroufes, ça me saoule. En plus, c'est même pas de la vraie quête. Trouver et tuer tous les marchands barre au fil. Non. Ah non, on a fait le massacre des marchands. Non, mais je veux me TP là. On va partir à la porte de Kili, on va se TP. Allez. Oh! Je sais pas, il voulait pas. Bon bah bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Ouais, c'est là. J'ai bien pris sauvetage. Sauvetage de marchands, ouais. Donc on va aller sauver les marchands. Bon, j'espère que vous allez bien. On est parti pour... on va jouer 2 petites heures, 2-3 petites heures même, si on a le temps. Il est 17h40. On est dispo. Ah, animation. Loué soit à vous, vous voilà. La situation est dramatique. Les bandits demandent une taxe de protection à l'Union des marchands. Ils ont pris 3 otages pour montrer qu'ils ne plaisantent pas. La date butoir est aujourd'hui, mais l'Union refuse de payer. Ils m'ont appelé car je leur dois un service. Mais... Je viens de sortir de l'école des gardes, mais je n'ai eu qu'un C en récupération d'otages. Bon. Ils ont tous la même gueule, les gardes, ça me et tue. Je vous laisse vous débrouiller. Voyons voir. Il y en a un en bas de la colline et 2 derrière ces portes. C'est compris? Bien. Je vais opérer une retraite tactique avant qu'il me repère. Hein? Bonne chance. La tête qu'il a fait, mon héros. C'est mon héros qui a fait. Bon bah c'est parti. Ah mais t'as voulu me taper toi. Ah mais je suis niveau 6 en vie. T'es masse vie hein. C'est vrai que j'ai toujours mon truc comme ça. Putain, mais ils ont masse vie, hein. T'es vrai ou t'as tenté de me taper moi, espèce de con? Allez, prends tes coups. Putain, c'était chaud. C'était chiant, même. Faut que je le tente. Allez. Ah, j'adore ce jeu. Non, t'inquiète, je gère. T'as l'autre, il reste en mode, t'as besoin d'aide? J'ai failli taper l'autre. Il reste que les boss.
Non! Laisse-moi tranquille. Ok, il y en a un là. Faites-moi sortir! Vous êtes de la guilde? Je suis Ces bandits sauvé. sont de vrais vicieux! Ok, on va les faire sortir, c'est pas un problème. Il n'y en a qu'un seul? Bon bah, on va y aller. On va suivre en tout cas, Coco. Bah viens. Bon, on m'a dit faut le faire sortir, je l'ai fait sortir. Ok, c'est bon. Je me tire. Par contre, ouais, j'ai fait des dégâts. J'adore mon machin, la colère infernale. De toute façon, c'était le meilleur pouvoir du monde, hein. On le sait tous. C'est vrai que maintenant j'ai mon katana d'obsidienne qui fait plus de dégâts en plus. Ah, c'est parti, petite roulade. J'adore les roulades. Je vous ai dit que j'adorais les roulades. Y a de quoi taper un machin comme ça. Allez, ça dégage. On récupère ce qu'il faut. On tue ce qui reste. Aïe! Oh, il m'a mis un sale coup. Aïe! Pas tout de suite, je vais aller chercher le copain. J'ai failli taper l'autre. Et tellement. Et prends le temps de te lever, mec. Oh. Merci, invocation magique. T'as tué mon invocation! Après, c'est un bandit mon invocation. J'aimerais bien que ce soit une balverine ou un truc puissant, quoi. Ah, des trucs à fouiller. Trois pommes. Plaise. C'est tout? Ok. Bon, bah, j'oublierai pas de prendre une pause, mais ouais, je l'ai un peu double shot, quoi. Et il y a une grande masse d'acier juste ici. Ouais, quelqu'un l'a oublié ici. Ok, en termes d'énergie là. Oh putain. Allez, on avait nos hits sur ça. Voilà. Prends ton coup. J'ai pris de votre précieux temps. Vous savez depuis combien de temps je suis captif? On ne peut pas rester ici à discuter. Il est chiant ou pas chiant lui? J'ai pas compris. On s'en fout. On mange des pommes. J'ai pas du tout fait ça. Je vous jure. Voilà. Petite potion et tu peux venir. Ah, monstre, excellent. C'est juste que vous autres de la guilde, vous aimez nous couper. Oh, bah non. Non. Moi je coupe pas la tête des gens, commence pas. Ok, on a les deux copains, on y va. Petite roulade. C'est vrai qu'ils avaient quoi? 4 modèles, modèle garde, modèle marchand et modèle toit. Non, non, il y a plein de modèles, mais oui, ils vont pas faire 40 marchands différents. Ok, et puis on peut sortir du camp. Allez, allez, on me suit, on me suit, on me suit, messieurs. Puis je pense, c'est solo. Voilà, on a juste à patienter ici. Oh merde. Allez, niquez-vous. Grosse grouille. Ça fait
fallait bien être libre à nouveau. De rien. Mille merci, admirable héros. Si nous nous revoyons, je vous promets un beau rabais sur mon stock. Ok. Ah, je pensais qu'il allait prendre la porte de culis, cette épée. Mais non, ils peuvent pas. C'est que les héros. Ok, bon, bah voilà. Sauvetage des marchands, un petit peu d'XP, un petit peu de machin. On va se TP. Et on va retourner à la guilde des héros. Oh, je viens de sortir là, fou. Non, sortir du bain. Commencez pas. Trouvez-la. Ne commence pas. Ok, il y a sûrement un point particulier pour l'archéologue. Powerfield, Kate Witchwood, Cornel de l'âme. Mowerstone, tu dis où ton archéologue? Là, Kate Witchwood, merde, je suis con. Faut aller à Witchwood. Bon, faites la quête principale. Vous avez le verre. Je suis désolé, vous avez le verre. Vous voyez plus rien. Bon, bah enfin, Witchwood. Là où il y a la reine. Trouvez l'archéologue. D'après la rumeur, il existe une épée dans Witchwood que seul un véritable héros. La lame d'Avo ? Oh, je me trompe chez. Confère une force spirituelle, mais attention. Attention. Certains dieux sont inconstants. Attention. Pas de zone cachée par ici. Ah. Il y a un truc. Il y a une connerie qui va popper. Ah, le golem de pierre. On a fait le golem de terre, on en est au golem de pierre. Pierrot. Pierrot et son golem. En plus, là, il prend plus de temps à regarder et tout. Allez, on tape, on tape, on tape. Ah, faut juste faire ça, hein. Oh, ouais, ici, on est bien. Hein. Ouais, juste une roulade, ça suffit. Ok, et on tape. Bah voilà, voilà comment tu en bosses. Non, pas une roulade, faut quand même reculer un peu. Allez, on marave, on marave. Merde, j'ai loupé le masse coup. Et je viens de prendre un seul coup. Allez, on marave, on marave. Ok, on marave, on marave, on marave. Ah, ça a changé Dark Souls. Ah, bah là, en termes de points. Ok. Allez, il lui reste plus beaucoup de vie. Oui, sur sa dernière frame où il allait taper. Hein. Un saphir. Plus 2000 d'XP. Ah, je dis pas non. Potion d'élixir d'XP. Et ici, une petite culligate. Enfin, une frame là. Je crois que c'est pour la fin du jeu, les grosses boules comme ça, mais je suis plus sûr. Ok, on arrive aux pierres de Witchwood. Ah ouais, faut faire Albator là. Ah.
Vous trouverez également d'autres quêtes disponibles. Certaines quêtes ne sont accessibles qu'aux héros avec un niveau de renom suffisant. Elles seront grisées, donc pas encore accessibles. Là, mon renom, c'est connu. Ouais, si tu connais, épelle-le avec des pierres magiques. Une seule personne connaît mon nom. Tu en as trop. Il n'y a qu'une personne qui connaît ton nom. Petit morceau de gâteau. Ok, petit coffre. Grand marteau d'obsidienne. Ouais, ça passe. Ici, par là, il n'y a rien. H, T, I et A, S. Non. HITS. C'est HITS. H. Yes. Nice. It's. Prends des coups. Comme ça, tu as trouvé mon nom. Bien Il fallait peut-être se renseigner. HITS. Après, ça pourrait être Sith. Ça pourrait être un seigneur Sith, hein. Qui sait? On arrive du coup, ouais, bon, donc le petit troll de pierre qu'on a battu, on arrive à l'archéologue, donc je pense animation. Pékin. Ah, première fois qu'on entend ce personnage. Je n'en ai plus besoin. Maintenant, je vais m'en aller. Je ne suis plus en sécurité ici. Hein? Merci à vous. Ok, donc Jacob Blade, donc un nouveau héros qu'on apprend. On commence, trouver l'archéologue. Oh non, c'est 15. Oh, c'est pas marrant. Ok. Si, un petit bouquin, ouais, mais j'en ai que 6. Ouais, ça, j'avance en vrai, hein. Ah, une carte de quête importante. Oh Choisissez vos non, quêtes à la guide. je l'avais pas. Petite fiole, donc on a 9 vies, ça avance. Des jambières de maille. Un petit saphir. Ah, des champignons bleus. Faudrait que je retourne aussi au bois de la guilde hein, pour refiler un papier au mec. Enfin, la lettre de réponse, blablabla. Bon, on va retourner à la guilde du coup. C'est con que Lyonnais n'ait pas fait plus hein, quand même. Moi, Fable 3, je m'en rappelle donc 2008, 9, 10, tout comme ça. Je l'attendais avec impatience. Les balverines. Des balverines attaquent nos Sur la carte soldats. de quête correspondante. Bon, bah, on va la prendre. Balverine. C'est parti, on repart. Donc, Cully de Witchwood. Et c'est parti pour continuer. Oui, bah j'ai soif, vous êtes devant la caméra, c'est pas de ma faute. T'as d'un coup, il y a des méchants. Ah oui.
Faudrait que je chope l'amélioration d'argent là. Amélioration de feu c'est contre les bandits, amélioration d'argent contre les balverines. Mais je sais plus quoi contre je sais plus quoi. Putain mais c'est un masse-vie ces conneries. Aïe! Je m'en fous, je voulais tuer ce machin. En plus, ça donne du bien. Nice! Par contre, j'ai vu ça ici. Ouais. Ils ont failli m'arnaquer là. Fiole de résurrection. Bon bah ça nous fait encore 9 vies. Bon ça, c'est du 10 plus quoi. Je pense que c'est juste qu'il le montre pas. Ok, on mange un peu. Oh, il y a deux bandits qui traînent par là. Mais il me faut plus de dégâts que les balverines. Oh t'as cru quoi? Oh t'as cru quoi? Putain mais ils ont masse vie en plus. Putain les bandits c'est mort. Oh là là. Ah bah ouais 810 XP c'est mérité. Pierre de Witchwood. Oui, je me regarde dans le retour. Alors, bonjour. Je voulais vous dire que... voilà. Ah. Bonjour, monsieur, les gardes droits au péché, la porte. On s'ennuie pendant les périodes, ce que je veux dire. Petit... Ok, qu'est-ce que t'as à toi dire? Venez, si vous envoyez. Ah, ils veulent taper des gens, eux. Suis-moi, elle est en bas, je te suis. Ah ouais, là c'est à ce moment-là qu'on peut envoyer les deux gardes. Par ici. Oh, ayez pitié. Oh les petits bâtards. Moi je suis prêt, j'attends qu'ils arrivent. J'attends qu'ils viennent tous. Et on charge. Voilà. Déjà, on réduit le risque. Ah, il vient de me taper la charge partielle de ses mains. Oh, ma chienne à la bois, je sais pas pourquoi. On met un petit coup. Ouais, ça doit plus en rester beaucoup là. Ok, ça c'est prend. Merci les gardes. Hein. Ouh. Ils m'ont mis quand même un sale coup. Hein. Pardonnez-moi. Ils m'ont fait chanter pour que je vous piège. Je pouvais rire, mais merci de m'accorder. Vous êtes généreux. J'avais quand même envie de lui défoncer sa mère. Hein. Parce que c'est soit tu le défonçais, soit voilà. Soit t'étais gentil. T'as une fille de la tenue de maille alors que je l'ai acheté quoi, respectez-moi. Allez c'est parti vers le temple d'Ao. Donc je crois que c'est là où tu dois donner des pièces. Ah, oula, il y a plein de trucs. C'est complet ici. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Un garde du corps. Non, mais par contre, il y a un coffre derrière, je pense, avec soit une clé en argent, soit une fiole de résurrection, soit un éclair de santé. Fiole de résurrection. C'était soit l'un, soit l'autre, soit l'autre. Bienvenue au temple de la lumière. Oh, faut trop donner.
C'est ici que mes fidèles se rassemblent. Une offrande. Faut filer 100 000, je crois. Ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup trop. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, explique-moi. Porter une lame exceptionnelle. Je crois qu'en vrai, elle est pas ouf. Elle coupait les monstres, les démons et les gens comme du beurre. Elle avait un pouvoir que les mortels ne pouvaient pas contrôler. En mourant, Yu la plongea dans un roc et nul ne parvint jamais à l'extraire. D'après la légende, seul un homme fort comme Yu peut arracher. Ouais, et bah Yu veut. Mais peut-être que tout cela n'est qu'une histoire de bonne femme. Bon, bah on va tenter. Tu te décales? Je tente. Allez, je tente. Allez, on tente. Allez, vous pouvez le faire. J'ai pas plus de force que vous. Oh non, c'est tout. Dommage. L'épée ne bougera pas. Mais pourquoi vous moquer? Vous faites pas mieux, bande de pute. Un peu d'exercice pour vous remettre en forme. Oui, bah ça va, ils m'ont vénère. Bon. Temple d'Avo pour filer des pièces, on a l'épée ici. On arrive au lac de Witchfoot. Witchfoot Lake. Des éléments standards peuvent être ajoutés sur vos armes pour leur conférer. Vous augmentez ainsi l'efficacité contre vos ennemis. Pour savoir si vous sélectionnez une arme améliorable dans votre adversaire, puis choisissez toute amélioration disponible. Vous avez compris? Des rails, quels rails? 40 zones découvertes. Moustache power, un petit peu de tofu de ce côté là, pas grand chose. Ils aiment bien splitter les chemins en deux, hein. Ici un petit marchand, hein. Mais voir qu'est-ce que t'as, tu vois, des tatouages. En vrai, hein, on peut tous les acheter. Il n'y a pas de quête sur toutes les tatouages. Ouais, c'est du 101% de tout ce qui est faisable. Pas essayer d'avoir tous les tatouages, quelque chose, moi les couilles. Je crois que l'arène est par là. Full marchand un peu partout, comme d'hab. Allez, une petite clé en argent. Une amélioration des flammes, mais je sais pas si on va la mettre encore maintenant. On va voir, parce que moi j'ai un souvenir qu'on tenait une amélioration d'argent. Et j'attends aussi d'avoir une canne à pêche. Ok, il y a full drapeau là, pour un village de 3 habitants, vous allez voir. Knokoglade. Snokoglade. Ah. Ah ouais, ma souris, elle est là. On m'a dit dans l'oreillette que le stream quality... Tant qu'il n'y a pas de perte d'image, moi ça me va. Ah, on arrive aussi aux roulades. Et c'est la merde, mais c'est bien que Knokoglade. C'est bien, il y a de l'habitation, il y a des trucs. Moi, curieusement, je veux juste savoir d'abord. Pour ce qui est d'ici. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bon, si tu... Si tu peux me faire. Ok, bah, faut juste lui caler une belle flèche dans la gueule. Aïe, aïe, aïe. Bah, tu me maraves. Moi aussi, je peux te maraver. Ah, mais il fait mal. Bon, bah, c'est good. Mais il enchaîne 5 coups aussi. Oh là là. Vas-y, gueule ta mère. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les entraînements ici. Putain, ils sont 4 fois plus costauds. Wesh! Pourquoi tu mets pas juste tes claquettes de merde, là, connard? Ouais, ouais, ouais.
Tiens, prends-toi ton 57 dans ta Moïse. Bah ouais, mais tu tapes l'aggro aussi. Bah ouais. Voilà, c'est bon. Ouh. Ça marche comme ça, écoutez. Attention. Et pour le santé, c'est votre santé est faible. Avez-vous des potions, des vibres? Attache ton chaîne et ta race, tu m'as même pas mis un coup. Je lui ai fait un no hit à ce fils de pute. Ah, attention. Foutu Balvery. Depuis que je suis chef, j'ai jamais été okay. Nous aurions notre chance si ces saletés ne suivaient pas une balverine blanche. Elle entre dans le village et tue comme bon lui semble. J'entends quelque chose là. On dirait que les entrepôts en bas de la cour sont attaqués. Une balverine blanche. Voilà. Je peux continuer de la maraver, hein. Bon, on propose de continuer de la maraver. Je sais pas si ça sert. Ok, on la suit. Oh, la salope. Oui, je suppose qu'il faut juste continuer. Oula, oula, regardez mon truc de magie. Le briquet. Sa femme vit toujours là, dans l'une des maisons en haut de la colline. Ah, on va peut-être avoir notre caillou magique. Par contre, on va préparer la Discord. Non, mais c'est un bar. Vous avez beau être payé comme vous voulez. Dans quelle maison tu m'as plus indiqué? Attends, dans quelle maison? Elle habite à l'autre bout de la ville, mais où? Parce que le bout de la ville, ça peut être plutôt bien être à droite qu'à gauche. Ici. Truc à piquer. Ah bah voilà. Allez, ça dégage. Ça dégage. Ça fout le camp. Ok, vas-y, casse-toi. Ce monstre vous attendait. Comment pouvait-il savoir où nous allions? Il était encore... Ah oui, c'est vrai qu'il a tué ton mec. Je ne voulais pas le blesser, mais il est allé trop loin. Mais par les dieux, de quoi parler? C'est mon mari. Bah c'est des loups-garous quoi. Au début, il pouvait se contrôler. Bah là c'est une balverine quoi. La personnalité de mon mari. C'est la lampe du village. Elle attaque à nouveau. M'en occupe. Mon mari se servait d'argent pour blesser les balverines blanches. Mettez fin à son calme. Ah bah voilà, je vous l'ai dit. La meilleure son argent. Ok, alors on a notre arme. Je me suis encore trompé dans les options. Équipement, ici. Laquelle on contrôle? On contrôle celle-ci. Non. On peut en foutre deux. Bon, on va foutre les deux. Appliquer. Tu vas cramer, bestias. Ok, je vais juste lui mettre 5 petits coups. Ou as-tu 5 balverines, j'ai pas compris.
Non, c'est juste, je dois lui mettre des coups. Casse-toi. Cette balverine y réfléchira à deux yep. fois la prochaine fois. On l'a mise en fuite. On peut la blesser. On peut bah oui. la tuer. Elle rôde. Et je dois y aller, c'est ça. Rapporter sa fourrure pour une récompense. Oh bah go. Attendez, d'abord je vais mettre une flèche à cet enculé. Oh le bâtard. Oui, il faut juste améliorer. Pour l'instant, on n'a pas l'arc qu'il faut. Je crois qu'il faut lui taper un 150. Et je vous le dis, je ne tape pas du 150. C'est parti. Cottage aussi. On arrive du coup au lac de Witchwood, ou est-ce qu'elle traîne par là? Bonjour cocotte. Ah, t'as pris un seul coup hein, quand même. Ok, il y a même la barre de vie. Je pense qu'on va préparer ça. C'est vrai que j'ai même pas acheté le berserker. Oh les dégâts que je lui mets. Ah, vas-y, fuis, 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 fuis. Fuis parce que je vais te défoncer la mouille. Ok, elle envoie des copains. T'as la taille par rapport aux autres balverines. Ah. Ah. Oh là là, sérieux. Oui, bah j'ai compris que t'appelais des potes en boucle. Et que je tape beaucoup trop fort. Ah, mon flow est trop technique. Tête de ballerine blanche. Ok, vas-y, venez, venez, ramenez, ramenez vos petits culs de connard. Voilà, allez, ça prend cher dans sa mouise, hein. Amélioration d'argent là, ça manque un, voilà. Non, là tu vas pas me dire que t'es encore vivant. Ok, ben, c'est bon. Wow, bon, c'est un boss gentil, on va dire que c'est un boss gentil. Ah bah Witchwood, bonjour. T'as l'autre, il attendait devant, qu'est-ce qu'il faisait? Alors tourne à Knuckling. Quelle image des vidéos qui vont être sur YouTube. J'ai trouvé un artwork où c'est c'est celle de base d'Anniversary où tu vois le mur énigme, la tête là, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est des portes démoniaques quoi. Tout, tout, tout. Objet, potion. Oh, 2000, c'est pas ouf, hein. Objet, potion. Et 1000, bon. Pas ouf, hein. Et une petite émeraude pour offrir en cadeau. Ok. Avec ta touche main-chemin, juste pour ça, bon. Pas la joie. Allez, on va retourner aux portes du village. Ils ont trop creusé ici. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Qui c'est qui a trouvé 500 pièces d'or aléatoirement, hein? C'est vous, c'est moi. Bravo. Vous êtes sain et sauf. En entendant le hurlement, nous avons... Bah, c'est moi qui hurlerai. Mais vous avez vaincu. Un héros de votre envergure mérite l'honneur de se mettre dans l'arène. Votre nomination devrait vous attendre à votre retour à la guilde. Oh,
En parlant de la guilde, ils ont envoyé une lettre de votre sœur. Lettre de Teresa. La lignée. Ok, bah elle va m'expliquer. Hein. Il s'est au guette à la guilde. On va voir le prix de la maison. Ok, c'est celle-ci. J'ai 13 000, ça doit être 9 000. Louer ce mijil. Ok. Oh non. Non. Ok, je le fais louer. Oui, non, bah non. Hop, on va aller dans les bouquins qui est pas ici. On va lire la lettre de Teresa. Tiwiza. Équipement. Histoire de la guilde. Vous n'êtes pas méchant. Jacob Blade. Quête de héros, l'autre terre, ancien royaume, quête des lames et dragons. La reine, on s'en fout, créature d'Albion, arrache des âmes. Lettre de Teresa. Mon cher frère, j'ai su que nous étions particuliers, et maintenant j'en ai la preuve. Ce livre parle d'une lignée qui remonte au temps de l'ancien royaume et de son lien avec une épée assez puissante pour dominer le monde. Notre père, notre mère appartient à cette lignée, j'en suis sûr. Et nous y appartenons également, toi et moi. Peut-être que ta vision des choses à toi te permettra de comprendre cela mieux que moi. Je parle à ces pages, mais elles ne me répondent pas. La lignée. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Pas avec le bouquin. Bien que l'ancien royaume ait disparu il y a des siècles, ses vestiges sont toujours présents. Dissimés en Albion, la guilde, dans toute sa glorieuse magnificence, les ruines d'architecture antique, des secrets ténébreux et impies palpitants, et un palpitant sous la terre. Mais davantage de choses ont survécu, outre la pierre et la magie. L'héritage vivant dans l'ancien royaume est toujours présent parmi nous. Balek. Parmi nous, j'étais où? Parmi nous. Une lignée connectée à tout ce qui a fait la grandeur du royaume et qui a fini par le détruire. Qu'il soit descendant d'Archon peut-être, lui-même, ou des créatures de l'épée, ou peut-être de ceux qui parviennent à mettre fin à son pouvoir, cela reste un mystère. Bien que des générations les aient perdus de la chute, il existe encore des survivants de cette lignée dont un ancien pouvoir coule dans les veines. Qu'ils vivent en héros ou demeurent dans l'anonymat de la masse, leur lien avec l'épée portée par Archon lui-même, l'épée des âges, est confirmé par tous les documents que j'ai retrouvés. Si je parviens à trouver des descendants vivants de cette lignée, je pourrai découvrir ce qu'il est devenu de l'épée, et peut-être que l'ère de l'ancien royaume pourra être restaurée. Tous les indices me conduisent à une personne, bien qu'elle ne mène une vie paisible maintenant. Les actes tels qu'elle a accompli auparavant désignent de façon évidente. Et maintenant la lignée se perpétue, ses enfants. Un fils et une fille. Et leur pouvoir qui vit à travers la maison. Et du coup, on va lire. On va lire de l'âme, on va lire Jacob Blade. Il est connu de tout et personne ne le connaît. Il est connu de tous et personne ne le connaît. On le dit aussi vieux que l'ancien royaume, et il a pourtant la force de 10 héros. Certains prétendent qu'il n'est pas de ce monde et qu'il n'est pas venu ici par désir de mort. Et qu'il est venu ici que par désir de meurtre et de destruction. Cool. Certains disent qu'il n'est qu'une légende et au fil des siècles, le masque a couvert la face de dizaines. La face de dizaines qui prétendaient tous être même Jack of Blade. Quoi qu'il puisse être, il est l'objet d'histoires et de cauchemars qu'il redoutait même par la guilde. Pas la joie, hein. Oui, ferme ta gueule, salope. Quel est le jeu sur cette table? Même play dans cette auberge. Au tri des cartes. Je connais pas, ou à mise 10. Je dois faire quoi? Mais je dois faire quoi? Instruction. Oui, vous devez trier plusieurs séries de cartes dans l'ordre croisant dans un temps imparti. C'est tout? Non mais wesh, j'ai tourné à gauche, ça a pas marché.
Ok. 5, 8, 3. Ok, c'est avec le joystick, pas avec les flèches. 2, 5, 8, 8. 2, 2, 4, 9. Allez. Deux, quatre, cinq, sept, huit, neuf. Oh là là, ta race. Ok, on a 3, 7, 8, 9, 9, 3, 3. Dernière manche. 2, 5, 5, 6, 9, 10. Ren, ouah. Quoi? Mais il me reste 3 secondes. Mais c'est... Bah oui, c'est perdu. Je viens de perdre 200 pièces. Ah, c'est... mais il faut aller vite. En plus, le joystick, il est lent. Et il y a un truc avec quelqu'un qui parlait ici. Gagner dans les gangs de Bowerstone, Oakval et du campement des bandits, nous en reparlerons. Ok. C'est vrai qu'il faut se battre. Je suis prêt à me battre, Amusez-vous bien. Non, je voulais pas. Je me suis dit, putain, ça touche à l'extérieur. Je viens de payer 1000 balles. Allez, on retourne à la porte. Non, mais on a dit qu'on était gentil. On prend un de méchanceté, mais on paye 1000 balles. Le vol peut être puni par une lourde amende. Assurez-vous de ne pas vous faire surprendre ou les gardes interviendront. Le vol des deux jours peut être tentant, mais les visites nocturnes sont moins risquées. Si vous êtes assez discret, l'œil de la vigilance près de votre carte vous indique combien de personnes peuvent vous voir. Ok, bon. Surtout qu'on est là, on va aller. Ok. Vous êtes au bon endroit. Est-ce que tu vends une canne à pêche? Toujours pas. Tu vends de la viande rouge? Je t'ai toujours acheté de la viande rouge. Du poisson. Tarte aux pommes. 18 pommes. Tu vends masse. Bon, ça coûte cher, mais tu vends masse. Merci. Ah, c'était gentil ça. De toute façon, il y a plein de bouquins. Il y a un joli lore. C'est un lore qui est pas méga complet en termes de savoir ce genre. C'est pas un style de lore où tu dois connaître et lire des bouquins et apprendre et jouer à 9 jeux différents. C'est un lore qui est simple, mais qui donne envie d'être regardé, d'être joué, d'être appris. C'est un joli lore. C'est pas un full lore, bonjour, je m'appelle Seigneur des Anneaux, 3 bouquins me suffit pas pour m'expliquer, mais il y a tellement de théories. Mais c'est un joli lore. J'aime bien. C'est un sort de, c'est une histoire qui se laisse écouter, regarder et jouer. Elle m'aime vraiment. Et je parie qu'elle est aussi magnifique. Mais tu l'as jamais vu? Prenez ça pour votre peine. Je n'ai plus... Voilà, deuxième champignon bleu, c'est fait. Il y en a un à acheter, puis le dernier. Putain, il est où le dernier? Un pique-nique. Un qui vend un Oakville. Enfin, un Bowerfield. Bowerfield. Oh là. Nique toi. Ok, ici, ouais, il y a le bar. Désirez vous faire du commerce, pourquoi pas? Ah. Chocolat, je veux la viande rouge. Et tu vends que ça. T'es pas...
vendre en pré-shop. Oui. Tellement de gens qui veulent tomber amoureux de moi. Bon, carte de quête. Est-ce qu'il y a des quêtes secondaires ou on passe directement à l'arène? On passe à l'arène. Bon, bah allez. Je vous dis bisous YouTube, hein, on reprend.